Bonjour, bienvenue sur la chaîne Agir Plus Plus. Aujourd'hui, je vais te raconter une jolie métaphore sur le combat intérieur de l'esprit humain. Reste jusqu'à la fin de la vidéo afin de profiter pleinement de cette histoire. Pour décrire ce combat intérieur qui se déroule en chacun de nous, il existe une légende amérindienne bien connue de tous. Il s'agit de la fable des deux loups, le loup blanc et le loup noir. Voici l'histoire. Un soir d'été, un jeune Cherokee, ayant vu une dispute éclater au sein de son clan, demande à son grand-père: grand-père, pourquoi les hommes ne sont-ils pas tous heureux et en harmonie? Le vieil homme le regarde longuement et lui répond alors: tu vois, petit, en toi comme en chaque personne se déroule un combat féroce intérieur entre deux loups. D'un côté, un loup blanc qui est accueillant, équitable, joyeux, solidaire et fraternel. Il est pacifique et lucide. Il protège les siens et soutient les autres. Il est attentif, généreux et confiant. De l'autre côté, se tient un loup noir. Il est rempli de colère et se bat contre tous. Il est la rage, l'avarice, l'arrogance. Il est l'envie, la tristesse et la peine. Il se vautre dans le ressentiment, le mensonge et l'orgueil. L'enfant écouta attentivement le vieux. Il réfléchit quelques instants, puis demande naturellement au grand-père: et à la fin, quel est celui qui gagne parmi ces deux loups? Et le vieux sourit et répond: c'est celui que tu nourris. Alors je m'adresse à toi maintenant, lequel des deux nourris-tu dans ton esprit? Merci de laisser vos réponses dans les commentaires. Si cette histoire vous a plu, merci de la partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. A bientôt sur la chaîne pour de nouvelles histoires.